Coucou tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode de Star Wars Lego qui a mis du temps à arriver puisque je crois que je vous ai abandonné 2 semaines à peu près. Vous avez commencé un petit peu à avoir l'habitude avec moi, vous savez que quand j'ai pas le temps ou que j'ai pas trop envie de tourner, je ne tourne pas. Et là pendant ces 2 dernières semaines, j'avais pas trop envie. Donc désolé si vous attendiez cet épisode là impatiemment. Du coup on se retrouve juste après l'épisode avec Ju où on avait fait le chapitre 2. Qui du coup, ouais, on s'était évadé de la base dans la neige, là, on s'en rappelle, où les rebelles s'étaient cachés. Avec nous d'ailleurs aussi, il y avait Yann Solo, Leia et Luke. Ensuite, on avait essayé de fuir la base, mais forcément Dark Vador et tout ça nous avait pourchassés. Et on se rappelle, on s'était enfui discrètement de notre côté. Et je pense que Luke était parti aussi également de son côté, et je pense que c'est ça qu'on va devoir faire. Il me semble, hein. Dagobah, c'est pas ça. Si, la planète Dagobah, je pense que c'est ça qu'on va devoir faire. C'est Luke qui est parti de son côté, puisque lui, il veut apprendre à devenir un Jedi. Et je ne sais plus pourquoi on l'envoie sur cette planète-là, mais en gros, voilà, il sait qu'il va trouver des réponses à ses questions, tout ça. Et donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc je pense que ça va être plutôt intéressant. Surtout qu'on va retrouver un personnage. Mais je crois que je vous l'avais dit dans l'épisode d'avant, je vous avais fait une gaffe et je vous avais dit le personnage qu'on va voir. Bon, bref, allez, let's go. Ok, donc nous voilà atterris sur, plutôt échoués, puisqu'on a perdu un peu notre vaisseau dans les marécages, sur la planète Dagobah, et donc j'ai eu ma réponse dans le petit générique d'avant. On se rend sur Dagobah sous le conseil du spectre d'Obi-Wan, puisqu'on a vu que aussi Obi-Wan était mort, mais il est toujours là pour aider un peu Luke, voilà, bref. Et du coup, on se rend ici pour un peu avoir nos réponses, et comme c'était dit, pour accomplir notre destinée, voilà. Donc là, oh, et c'est lui qui me... Ah, mais ils font mal les corbeaux, ok. Du coup, il y a R2 qui nous accompagne, forcément. Ah ouais, c'est ça qui me fait mal, c'est chiant, mais lâchez-moi. C'est relou un peu, non? Ok. Et aussi, j'ai oublié d'en parler, mais voilà. En s'enfuyant, Leia et Yann Solo sont, du coup, se sont rendus dans la planète des nuages. J'ai pas retenu le nom. Je sais même pas s'ils ont dit le nom. Et donc, on a vu aussi que... Oula, il y a plein de méchants, là. Je vais me faire bouffer par un serpent. Ok. Que Boba Fett... Normalement, si ça vous dit forcément quelque chose, le chasseur de primes les suit. Ok. Alors ça va pas être un truc pour moi. Je vais glisser. Ah non, mais en fait, c'est pas fait pour sauter, là. Ah non, mais je vais mourir. Mais non, mais je glisse. Il doit y avoir un autre chemin. Ah non, il n'y a pas un autre chemin, parce que R2, il passe par là. Mais moi, je vais tomber. Je vais pas réussir à sauter, là.
Mais non, mais en plus, c'est le décor, il te fait glisser, quoi. Un truc super pratique. Non, mais... Ah, il y a un truc, là. Mais comment je fais? Je peux pas l'attraper, ça. Mince, c'est pas ça que je veux faire. Mais utilise ça. Pourquoi tu peux pas le faire? Mais je suis censée être un Jedi, et ça, je suis censée pouvoir l'utiliser. Ah, ok, bon, voilà. C'était justement ça que je cherchais, mais c'est bon, je l'ai trouvé. Oh, on a un bonus en plein milieu. Bah, je me ferai pas chier à aller le chercher. Quoique, il y a peut-être besoin. What? Ah. Lui, il peut aller tank. Ça va nous aider aussi. Ça, c'est cool. Ouais, je suis comment pour regrimper? Ah ah! Il peut pas regrimper. Ça, c'est chiant. Comment je suis censée faire? Je vais éternuer. Pardon. Ah, j'espère que je vous ai pas cassé les oreilles. Comment je fais? Je peux pas grimper en fait. What? Comment je fais? Parce que ça, le truc là-bas, c'est pour lui. Ça, j'ai bien compris. Sauf que j'ai rien pour qu'il remonte dessus. Oula. Donc, qu'est-ce que j'ai mal fait? Surtout que ça, il peut pas le faire. C'est pas normal. Mais c'est pas normal. Il est censé pouvoir le faire, ça. Donc, qu'est-ce que j'ai mal fait? Peut-être que j'ai pas bien vu, hein, mais... Je vois pas comment il peut grimper, en fait. Comment il fait? Parce que normalement, il peut voler. Mais là, vu que je suis dans le marécage, je peux pas. Ouais, d'accord, c'est bien. On a à peine commencé que je suis déjà bloquée. Ah, mais je suis con. Je peux voler directement. Voilà. Mais je suis trop débile, en fait. Trop débile. Je dis qu'il peut voler, mais non, ça tilte pas. Ok, viens, mon petit. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Si tu casses... Tu peux pas casser ça? Si. Ok, donc c'est la suite. J'ai paumé R2. Viens, R2. Ah. J'allais dire 5-8-5. Je comprends pas. J'ai l'impression que pourtant, la dernière fois, il avait réussi à utiliser la force. Ah non, j'ai confondu, je crois. Ouais. Je vais faire ça avec lui, hein. Parce que sinon, je vois pas comment je peux faire. Ok, on va faire ça avec lui, c'est beaucoup plus simple qu'avec... Ouf, j'ai peur. Ok. Ok, bon, ça nous a débloqué le chemin, mais bon, du coup, il l'a fait tout seul, c'est cool. Non! Ah non, je suis coincée, là. Ah non, je suis coincée, les petits. Y a pas de truc pour remonter. Ah si. Mais... C'est une blague. Il me pousse. Je sais pas pourquoi je vole alors que... Il y a un truc. Ok, c'est bon, on y est. Reprends-toi. Alors... Ah, il y a une petite maison, là. Ah, la musique, elle est tellement belle. J'aime trop cette musique-là. Il y a un truc au fond. Là, si tu peux pas le casser. Ça me paraît bizarre que tu peux pas le casser. Chelou. Là-bas, au fond, il y a un truc. Un truc pour R2, donc ça, je pense que c'est pour après. Bon, bah du coup, allons dans la maison. Donc voilà, on a retrouvé Yoda.
Et il va nous enseigner l'enseignement Jedi pour pouvoir utiliser la force. Ouais. Il me lâche pas. Hein. Ah merde, c'est lui. Je me demandais pourquoi ça ne marchait pas. Forcément, j'avais R2. Et donc on comprend qu'en fait R2 s'est caché là depuis tout ce temps, puisque forcément à la fin, avant qu'il s'en aille... Oh, dégagez-vous. Tous les Jedi s'étaient fait tuer, donc il s'est caché là pendant tout ce temps. Pour être tranquille. Ah non, mais lâchez-moi la corbeau là. Du coup, je peux utiliser la force ou pas encore? Non, je peux pas encore utiliser... Ah si. Non, je peux pas encore. Je peux utiliser pour l'instant que... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a une croix en dessous? Ah! Je suis censé le porter. Pour faire quoi? What? Ah, je me suis fait tuer, du coup ça l'a enlevé de mon dos. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je comprends pas ce que je suis censé faire. Il y a plein de trucs pour ouvrir deux. Je vais mourir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je veux bien moi te porter, mais bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, tous les trucs, je suis entourée de marécages, donc... À part R2, je vois pas qui je peux utiliser. Et pourquoi ça me ramène là-bas à chaque fois? On va reprendre lui. Je comprends pas tout. Pourquoi je dois te porter? Parce que si moi je tends, je meurs. Donc c'est débile. Mais il y a que là où je peux aller. Non, je glisse. Je comprends pas tout. Qu'est-ce que je fasse? Et ça m'indique rien, c'est chiant. C'est trop chiant que ça m'indique pas ce que je dois faire. Et là, je peux utiliser la force. Va t'en comprendre. Je sais pas à quoi ça sert. Peut-être c'est justement ça mon exercice, c'est d'utiliser la force. Je vais mourir. Ah, en fait, on a besoin de lui pour utiliser la force, d'accord. En gros, c'est en le portant sur notre dos que là, on peut utiliser nos pouvoirs, ou alors c'est avec lui. Ah, c'est lui qui le fait, en fait. Du coup, il nous débloque le chemin. Ça. Ah, c'était caché en dessous. Okay. Attention, les corbeaux de merde. Okay. Non, ah, c'est encore caché. Ok, là je peux reconstruire. Ok. What? Ah, je pense qu'il faut que j'utilise lui. Parce qu'il y a un bouton là-haut. Mais ouais. J'ai pas tout compris encore. Ouais, mais ça me donne la suite. Mais comment je fais avant? On a débloqué un truc, mais il est pas venu. C'est nul, je comprends pas. Pourquoi le chemin il s'est pas mis? Ou alors peut-être qu'il faut que j'utilise la force encore. Tout simplement. Là il y a le truc. Peut-être qu'il faut que j'utilise la force pour lever le pont. Peut-être ça. Je vais courir encore une fois. Y'a pas des petits cœurs là? J'aimerais bien des petits cœurs. Ah. Ah bah là y'a le... D'accord, faut que je retourne le chercher. Ça casse. Peut-être qu'il faut que je casse tout. Là peut-être que j'aurai tout ce qu'il me faut. Ok. Peut-être tout à l'heure ça... Mais non, mais c'est pas du jeu aussi. Il m'attaque alors que je suis déjà en train de taper un note. Ok. Là, j'ai pas cassé celui-là. Ok, donc viens avec toi.
Ok, là je vais construire le pont en entier. Voilà, ok. Avançons. Ah mais c'est chiant, si à chaque fois il repart, ça va être relou. Ça va être très relou. Ah non! Je vais mourir, voilà. Non mais c'est une blague. Comment je suis censée aller chercher? Non mais il y en a trop là! Mais non, mais c'est horrible! Oh mais lâche-moi quoi. Et comment je suis censée aller le chercher là? Ah ouais, heureusement que je meurs pas quoi. Bon, on va faire ça avec lui. Je préfère m'assurer le coup. Parce que je suis pas douée en saut. Au moins avec lui qui vole, c'est beaucoup plus simple. Hop. Du coup, on va faire le chemin et après on ira le chercher. Ok, donc c'est bon, là c'est good. On reprend. Ah, ah bah il nous suit. Ah bah c'est cool. Je pensais pas qu'il allait nous suivre. On reprend machin. Là dedans. Attends, on se méfie maintenant, on sait qu'il y en a des monstres dedans. Oui, sauf que là je me fais attaquer. Oh. Voilà, et là forcément je me fais toucher. Toujours plus. Oh non. C'est pas du jeu. Viens là, petit cœur. Alors, on récupère le bonus. Mais lâche-moi toi. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, ça nous a servi à quoi? On ne sait pas. What? Ouais. Ah! Et après? Comme ça, après je saute. Non, j'ai pas compris. Ah non, c'est pour R2. C'est pour que R2 puisse y aller. Ok. En gros, il faut que je lui abaisse pour qu'ensuite il puisse y grimper dessus. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Hop, on baisse ça. On met ça, on prend lui. Comme ça, il grimpe dessus. Dépêche-toi. Voilà. Et comme ça, il regrimpe. Voilà. Ça me fait tourner en même temps. Et comme ça, je peux aller là. Ça, je suis sûre que j'aurais pu rester bloquée pendant 3 heures. Mais là, je sais pas. Bon, bah, continuons. Ah, il commence enfin, c'est cool. Il était temps. Parce que c'était pas drôle d'avoir un Luke qui sait pas utiliser la force, c'était un peu chiant. Ça sert un peu à rien. Alors. Ah, cool. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ok. Ça nous fait un passage. Oh, bah, go. En fait, du coup, lui, c'est un Jedi, et en même temps, c'est un Jedi. C'est un Jedi et en même temps un impérialiste. Du coup, quoique, peut-être que maintenant, on n'aura plus le pistolet. Et on pourra plus grimper avec le truc, là. À quoi ça me sert? Peut-être que je peux aller dedans? Non. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un cul-de-sac, là où je vais. Ça sert à rien. Toi, il nous donne des véhicules, ça nous sert à quelque chose, et des fois, non, pas du tout. Ouais. Ah, peut-être qu'il fallait que je continue. Ou alors, peut-être qu'il faut que j'utilise R2. Oui, je dois utiliser R2. Du coup, lui, il l'a fait, il est pas con. Oui, reviens, mon petit. Regrimpe. Ah, ça va. En fait, il y a quand même pas mal de... Les trois quarts de choses, on doit le faire avec R2. Ah. Sauf que là, je fais comment? Est-ce qu'il peut voler jusque là-haut? C'est ça la question. Bah, jusque là-bas. Ouais, ouais. Oh, ouf, ça va, c'était justesse. Ok.
D'accord, du coup ils peuvent passer, c'est cool. Et bah non, du coup il peut utiliser encore le truc de ça. Ah non. Il peut plus. What? Du coup il peut plus utiliser ça. Ça y est, c'est fini. Ok, d'accord. Bon bah tant pis alors. Ah, et du coup maintenant c'est le test final. Il faut que tu bouges ça. Ah non, même pas. Ok, donc là on continue. Toujours l'enseignement de Jedi. Non mais c'est pas du jeu, à chaque fois les cœurs ils tombent. What? Pourquoi il descend? Ça je pense que comme ils sont noirs, ça pouvait être que moi qui les abaisse. Je pense que R2 n'aurait pas pu. Mais du coup je peux plus utiliser ça, c'est chiant. Surtout que c'est dégueulasse, ils nous mettent des trucs là, donc on supposerait qu'on puisse encore. Mais non. Et du coup, ça c'est qui peut les utiliser? Ça aussi c'est pour un autre... Oups! J'ai fait tomber R2. Pardon R2! Alors, que doit-on faire? Oups, oh quand c'est pas R2 qui tombe, c'est moi. Ouais... Ah, il y a un truc là-haut. Il y a un truc là... Oh, que je vais y arriver. Mais comment il fait lui? Parce que c'est R2. Mais non! Mais. Ah, le décor qui glisse, c'est tellement chiant là! C'est casse-couille! Parce que lui, il pourra pas. Il peut pas grimper lui. Donc, comment il est censé faire? Je ne sais pas. Ouh, j'ai tenté la plus la possible là, non? Bon, ok. Et du coup, il a réussi à passer l'autre. Mais... Bon, écoutez, je ne sais pas ce qu'il fallait faire. Je sais même pas si on pouvait vraiment débloquer le truc. Parce que je veux bien qu'il vole, mais il peut pas sauter. Donc les trucs en hauteur, il peut pas quoi. Alors, encore un test. Oh, ah oui. Là, c'est la sorte de... Dans la scène avec le labyrinthe. Bah le labyrinthe, je sais pas si c'est un labyrinthe, mais... Où il doit affronter ses peurs. Et du coup il voit Dark Vador. Parce que sa plus grande peur c'est Dark Vador du coup. En gros c'est la fin de son enseignement ça. What? Ok, ça c'est pourquoi je grimpe là-haut. Sauf que le gars il est de l'autre côté. Donc ça ne sert à rien. C'est de ce côté-là qu'il faut que je fasse ça. Ah! Est-ce que tu peux me faire grimper? Ah! Ok, on se fait grimper. Oh, il y avait un truc là, attendez, on va prendre ça. Ça nous augmente la force. Hop, et du coup on s'auto-grimpe. C'est cool ça. En fait, il n'y a que comme ça que je peux le toucher. Ok, donc là, du coup, je passe de l'autre côté. Je prends les petites pièces. Toujours ça. Oh purée, ça a pas duré longtemps l'autre truc. L'arnaque quoi. Ok, hop. Hop. Allez, la batte. Allez. Encore un coup. Encore deux même. Ah mince. Des fois, ça enlève deux cœurs et des fois, ça enlève qu'un cœur. Hop, viens de battre, coco. Où? Voilà, allez, encore une dernière fois. Bim! Yeah! Oh! J'étais en train de regarder combien de temps durait l'épisode. Alors. Ça y est, j'ai fini. J'ai vaincu le tar. Ah mince, je l'ai pas vu. J'ai tellement l'habitude qu'il y a des animaux. Pas méchant quoi, qui nous attaque pas, que je suis pas tilté. Ok, donc ça c'est comme d'habitude, c'est le pont qu'on doit réparer. Mais maintenant qu'on a la force, ça va beaucoup plus vite. Enfin,
Avec le sable, ça va beaucoup plus vite de base. Ah. Je pense que ça va remonter le pont. Oui, regardez derrière. Voilà. Allons-y, gaiement. Hop, hop. Du coup, on va quand même devoir... Oh. Ah oui, j'avais pas vu lui. R2, vous pouvez pas nous suivre sinon. Allez, toujours plus de corbeaux de... Mais deux, là. Ah. Je les aime tellement pas, eux. Purée, il m'a fait perdre que des pièces bleues, en plus. Lâche-moi. Ouais, bah, fais pas style Yoda, tu m'aides pas. Hein. Ah, ça serait pas mon vaisseau, ça? Non, c'est pas mon vaisseau. Je n'ai rien dit. Ok, c'est en métal, donc on peut pas. Ah, donc ça, c'est pour grimper. On va tuer celui-là. Attention, sortez les petits. Allez, allez, mais il réagit pas en fait. Hop, hop, voilà. Ok. Il y en a toujours plus. Sort ton truc, il y en a encore un. Hop, hop. Ok. Ça, je peux rien faire en gros. Faut que je le débloque autrement. Ah! Je croyais que c'était un bonus. Ah non, ok, c'était pas un bonus. Ça ressemblait. Du coup, bah, j'ai pu faire que grimper. Ça c'était juste pour avoir des pièces, donc j'étais même pas obligée de le faire. C'est pour le plaisir de me battre avec les corbeaux. Ça franchement, je me demande si c'est pas les Ewoks, hein, parce qu'il y a que les Ewoks qui sont assez petits. Ah non, lui! Non, il peut pas. C'est ce que je pensais. Donc je pense que c'est les Ewoks. Je vois que ces personnages là qui sont assez petits pour rentrer là-dedans. Donc je pense que ça doit être ça. Alors, fais-moi grimper, papy. Allez, dépêche-toi. Hop. Je pense qu'il va falloir que j'ouvre la porte d'une façon. Pousse. Non, ne tombe pas. Je sais pas à quoi ça va nous servir, mais forcément utilité. Ouais. Ah. Ah, mais... ah, ça répare la porte. Ah, ça va nous faire un truc pour R2 et que c'est R2 qui va ouvrir la porte du coup. Ok. Et là, je pense qu'on sera arrivé à la fin du truc. Non, pas toi. Lui. Hop. Voilà. Ouvrons la porte. Ils connaissent pas l'ouverture normale d'une porte, hein. C'est toujours des explosions. Et voilà mon vaisseau. Comme ça, du coup, maintenant je peux le repêcher, mon vaisseau. Quoi? Bah quoi? Qu'est-ce que je vais mal? Je maintiens et ça veut pas le... Mais what? Ça veut pas. Il retombe. Mais what? Mais pourquoi? Peut-être j'avais pas assez de puissance. Qu'avec lui ça marche. Bah non. Mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Mais qu'est-ce que j'ai mal fait? What? Je comprends pas. Ah, il y a encore un truc pour R2. Peut-être que... Non. Non, ça ne fait rien. Je ne comprends pas. Parce que je maintiens B comme d'habitude, quand il faut utiliser la force, mais là il s'arrête et il replonge. What is the fuck? Ouais. Yoda, tu m'as pas appris ce qu'il fallait faire. Et je vois pas ce que j'ai mal fait. Puis y'a rien d'autre. Ah là-haut. Ah mais non, mais là-haut je peux pas. Et là où je peux pas parce qu'il faut se débloquer avec ça. Et ça je peux l'utiliser avec aucun perso. Et là, j'essaie de regarder si on peut pas grimper autre part. Non, là ça va être compliqué de grimper là-haut. Même si on aurait dit que c'était possible, mais non. Mais what? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je pensais avoir tout bon là. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas ce que j'ai fait mal.
c'est bizarre qu'il y ait encore ça. Non. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Voilà, je le sors. Non, ça ne veut pas. Et lui, il veut pas m'aider. Genre, on s'y met à deux et hop, c'est bon, ça sort le truc. Non mais je comprends pas ce qui manque. Je comprends pas. Je vois pas. Parce que même lui, qui est censé être super fort, il n'arrive pas. Donc c'est même pas que Luc fait un truc mal. Oui, d'accord. Sauf que là, j'ai tout fait. Et qu'il n'y a rien de plus. Après, je vais peut-être casser tous les trucs. Peut-être que. Des fois, vous me dites que je casse pas assez les trucs et que du coup, c'est ça qui me bloque. Mais bon, là, je vois pas comment en cassant des buissons, ça va m'aider à relever mon vaisseau. Ça, je peux pas le casser. Non. Là, je vois vraiment, vraiment pas. Et ça, ça veut pas. Je vais aller essayer au Yoda. Et d'habitude, en plus, ça écrit les personnages qui peuvent utiliser ces trucs-là. Et là, ça ne le dit même pas. Je comprends pas. Et là, par exemple, ça. Genre, il peut pas se sortir de terre et me faire lever au truc. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je ne vois absolument pas ce que j'ai pu mal faire. Plus, c'est un truc tout con, mais que j'ai pas compris. On va retourner en arrière, hein. Peut-être que j'ai mal fait un truc. J'ai raté peut-être un truc, c'est pas possible, mais bon. J'étais contente, je me suis dit ça y est, on arrive à la fin et tout. Bah non. C'est jamais fini en fait. Non mais là... Il n'y a plus que ça à faire quoi. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi ça ne veut pas? C'est illogique quoi. C'est illogique, je comprends pas. Pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait. Plus je fais comme d'habitude, hein. Je maintiens la touche. Mais non, ça veut pas. Bah écoutez, je vais devoir aller voir la solution parce que je ne vois absolument pas ce que je fais de mal là. Et je vois pas ce qui me manque. Ça, ça veut pas. Yoda, ça veut pas. Et il y a rien de plus autour qui pourrait me débloquer le truc quoi. Donc bah écoutez, je reviens. Heureux, donc je viens de voir comment une personne le faisait. Et apparemment... Voilà, en gros, à chaque fois, je croyais qu'il est replongé, mais non. Ok, donc nous voilà enfin sortis de Dagobah avec l'enseignement Jedi et maintenant on va pouvoir être Jedi et en gros pouvoir aller arrêter Dark Vador puisque c'est ça un peu le but. Et en fait c'était tout con hein, mais je suis restée bloquée comme une débile comme d'habitude. De toute façon c'est toujours un truc comme ça, un petit détail que je ne fais pas bien qui m'y fout et hop ça me bloque. Mais en fait comme j'avais l'impression que
Avec Yoda, ça faisait exactement la même chose qu'avec Luke, et Luke, il ne pouvait pas le faire, du coup. Voilà, bon, bref, on s'en fiche. Principal, c'est que j'ai réussi à le terminer. Et puis, bah, du coup, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il aura tellement été long avec ma mauvaise gérance. Même si, bon, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie dans l'ensemble. Puis en plus, c'est la reprise là. J'ai plus l'habitude de jouer, donc c'était, on va dire que c'était la reprise. C'était une bonne excuse, ça. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. Du coup, l'épisode aura duré quand même pas mal de temps, du coup. Et bah, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Et puis, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Je vous fais de gros bisous et ciao!